ma technique de travail n'a pas vraiment changé en bientôt 20 ans. C'est vraiment, j'ai toujours ce fameux carnet dans lequel je vais vraiment tout noter, toutes mes idées qui me viennent. Là, pour ce projet des Beatles, je vais même chercher toute ma documentation et je vais le noter parce que retrouver après la doc sur Internet ou d'une interview que j'ai faite ou d'un ouvrage, ça me permet vraiment de tout avoir. Donc, je vais aussi bien avoir mes pages de dialogue que les premières pages assez sommaires de mes pages. Et une fois que je sais à peu près où je vais à ce niveau-là, je vais faire une première maquette sur InDesign, un logiciel de mise en page, dans lequel je vais intégrer aussi bien les textes que les bulles, puisque je sais à peu près où vont se situer les bulles, qui va me permettre de faire un premier crayonné assez rapide, avec les textes cette fois-ci et les dessins en crayonné très léger, mais en même temps assez poussé, qui me permet, lorsque je suis assez sûr de ce que je veux faire, de passer à l'autre phase, qui est celle de la belle page, où je vais, avec la table lumineuse, mettre une page par-dessus et faire le dernier crayonné très léger avant d'attaquer la dernière partie qui va être l'encrage, où je prends un pinceau assez fin avec de l'encre de Chine et je vais tout finir. Donc ça, c'est une technique qui me prend à peu près une bonne grosse journée de travail, cette partie-là. Puis après, il y a la partie où, une fois que ma planche est finie, elle va être scannée à 1200 dpi avec un scan, mise sur l'ordinateur, travaillée sous Photoshop. Là, je vais faire ma mise en couleur à 300 dpi et ça va me prendre à peu près une demi-journée, voire une journée parfois, hein. Ça dépend un petit peu de la complexité des pages, pour après avoir donc un fichier noir plus un fichier couleur et l'éditeur, lui, va rassembler ça, plus mes textes qui sont mis de côté pour permettre après une éventuelle traduction, comme ça, il peut lui changer le texte quand bon lui semble. Parce que forcément, un texte traduit en allemand, par exemple, prend 20% de plus de place. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir en avance. Et puis, cette technique me permet aussi d'avoir tout ce qu'il faut pour gérer pour plus tard la version numérique, puisque c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en train d'exploser en ce moment, surtout aux États-Unis, la version numérique. Donc je me permets vraiment d'avoir mes décors d'un côté, mes cases qui sont séparées les unes des autres, pour pouvoir vraiment faire un montage par la suite. Cette partie-là est plus fastidieuse, mais ça me permettra de gagner beaucoup plus de temps à la fin, lorsqu'il faudra faire l'assemblage pour la version numérique.